fait grâce à toi, grâce à la grâce de Dieu, mon amour de toi, nous les tous, alliés, vraiment. Comme les blancs. Un avec les blancs, nous on dit c'est vrai. Non, ils sont. Mais l'homme a droit à la vie. Je le sais. Si on a le temps de l'écouter, vous allez comprendre que lui-même est victime. Moi, il va garder. Vous êtes dans une affaire comme ça. Moi, il me dit que les gens ont changé sa vie. Le va être venu. Vous voyez, par moi, je demande aux gens ne voyez pas par moi. Très bizarre, c'est vrai qu'il est méchant. C'est qui en lui? Il est possédé. Dès l'esprit le possède, il amène à détruire. Vous allez le demander de façon forte. Je ne sais plus quoi. Quel bénin est à posséder, ça vient de l'esprit. À mon nom, quand on a lancé l'esprit, à ce moment, c'est comme ça. Amen. C'est comme ça, parce qu'il a un esprit en lui, vous pouvez le détruire. Moi, je vais l'aider quand on tue. C'est un des bénins, non? Amen. Et donc, moi, ils m'ont attaqué en 94. Désormais, pas le même en 94. Il y a un problème de poumon. Il y a de nouveaux vieux. Vous commencez à respirer. Vous carriez bien. Et vous fournissez du sang. Nous avons la première chose maintenant en classe. Le crâne de l'église. Je commence à vomir du sang. Mon gris m'a emmené chez les médecins. La femme a de oh, le blanc a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et que l'on est dans un plan, il a d'abord. On dit, monsieur, il n'est pas malade. Oui, vous faites un peu. Moi, j'ai commencé à pleurer. N'importe où. Oh, Dieu. Oh. Oh, oui, chez lui, il pleurait d'émotion. Oh, moi, j'avais compris, je viens de comprendre que mon problème était mystique. Vous comprenez ça? C'était spirituel. J'étais dans vous, Gonalé. Je reprends une semaine après le congé. La même chose que le produit en place. Les Ikerens, la même chose. Je commence à faire toutes sortes d'examens pendant deux mois. Pas de résultat. Pas de résultat. Pas de résultat. Il y a deux moments qui caractérisent notre monde. Il y a deux moments. Il y a ce qu'on appelle le monde spirituel. C'est un monde invisible. Et il y a le monde visible. Notre monde là dépend de notre monde, qu'on appelle le monde spirituel. Amen. C'est ça que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux, Dieu la terre. Il a commencé par que le monde spirituel d'abord. Et Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Sans le spirituel, ce monde n'en a pas sa raison. Je ne l'ai pas connu, hein. La bénédiction est d'abord spirituelle. Pas les nouveaux, les tout est d'abord spirituel. Tout ce qui doit t'arriver est spirituel. Et l'homme est lié à ça. Parce que l'homme est un côté spirituel. Parce que quoi? On calme, vous quoi? Il a un esprit en lui. On calme, vous quoi? C'est ce qui le différencie d'un animal. Mais parler, on a une espèce de vie. Amen. Amen. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Donc c'est le monde spirituel qui fait le monde visible. Mais non, et le monde spirituel a sa réalité. En fait, de donner une maladie mystique. Tu vas pas partir à l'hôpital. 0 et 0. Parce que c'est la science. Et il y a une seule définition de la science. De la science. Comprendre. Et expliquer les phénomènes de la nature. Quoi, la science nous sert de comprendre et d'expliquer les phénomènes de la nature. Donc quand la science fait une découverte, nous venons de découvrir. Oui, c'est comme ça. C'est bien, je l'ai créé. Voilà la raison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Blanc a compris que tu mens beaucoup. Tu mens. Tout le monde est là. Ils sont les criés appareils. On appelle détecteur du mensonge. Du mensonge. Moi je dis c'est chaud. Tout le monde a dit ici. Ça dit son mensonge. Toi, ton appareil, ça ne pas prendre ça. Tout le monde est là. Est-ce qu'il est là? Zadi, son mensonge. Toi, si c'est blanc, ça va prendre. Sinon, Zadi, je vois. Toi, tu avais ton appareil, ça va pas prendre. Amen. Zadi, nous gagnons tout. Il y a un zombie. Je suis sorcier, ma terre. Tu as un camion. Je vois l'occasion là-haut. Appareil, la main s'explose, quoi. Un camion. Quand on avait dit ça, ça y est, on allait tenir le dragon. Celui qui a gagné, quand même, lui, c'est fini.
Il a donné ses filmés. Le mot est on regarde l'appareil, lui-même le dit. Moi, il y a un peu de temps. On voit la chose bouger. Les hommes fuient. Le dragon nous a donné. Mais viens. Devant tout le monde la chose, le gars fuit. Il court. En fait, moi, tu veux que je contre lui. Et tu as dit. C'est là toi tu apprends caméra pour détecter des mensonges. Tu as dit tu es pas. Vous avez là, apparaît pas. Mais on comprend, vous voyez, c'est le seul problème. Il faut comprendre et il faut régler le problème. Il est dans nous, je pense que ça. C'est de comprendre et régler le problème. Nous, je pense que ça n'a rien. Et c'est ça, moi, mon combat. C'est d'ouvrir. Il est dans le de vous amener à comprendre ce qui se passe. Dieu n'a pas créé que des vauriens, n'a pas créé des vauriens. Mais il y a un esprit qui habite d'autres personnes et qui vous empêche d'entrer dans la prospérité. Quand les blancs éradiquent ça chez eux, ils ont des lois. C'est pas la question en train de subir. Quand tu prends son sien, il trouve à l'ordre public. Vous comprenez? Pourquoi on peut mener un combat comme ça? Il faut que notre loi soit votée dans la juridiction pour qu'on puisse soigner les gens parce qu'ils sont malades. Quand il y a le problème Sida, d'abord, les gens ne voulaient excuser, je ne voulais pas utiliser le préservatif. Il dit que c'est pas moi, j'avais une campagne d'évangélisation en Guinée. Et nous sommes partis avec le maire, surtout ça, en étant campagne d'évangélisation. Et c'est en Guinée, il a pris des gens qui combattaient le préservatif. Ils disent que si on fait la préservatif, pendant que les gens parlent de ça, ils disent non, des préservatifs, on a plus d'autres sida. Il y a la mentalité des gens. Ah bah, quoi, tu as dit quoi? Quand tu parles de ça, qui est devant toi? Oh là, il y a des sida. Il te voit donner des sida. Oh là, mais il y a ça. Il fallait sensibiliser les gens, les amener. Ils ont été problèmes pour le spirituel parce qu'il fallait arriver en Guinée. Et donc, vous pouvez régler les choses sanctifiées. Ça veut dire quoi? Quand il y a un phénomène quelque part, il faut d'abord sensibiliser les gens. J'ai dit aux gens, ça existe. Il a moi j'ai été victime. Mais pour moi, il était infecté. Tous les médecins essayaient, ça n'a pas marché. Et pendant que le médecin, le dernier, qui est spécialiste en poumon, parce qu'il y avait des douleurs dans les poumons. Je vais dormir, il y a des douleurs dans mes poumons. Et je pleure toute la nuit. Et appareil des blancs, ça ne donne pas de résultats. Quand on dit poumon, c'est bien propre, c'est bon. Ça me fait pleurer. On dit c'est bon. C'est bon pour les bébés. On a des gens. Pourtant, on essaie de la douleur dedans. On ne sait pas, mais je connais ça du sang. C'est comme ça qu'on m'a proposé Jésus. On voulait m'amener au Mali. Il faut aller voir Nassidji encore. Je suis rassasié de Nassidji. J'ai vu Nassidji m'attraper. Donc j'ai une soeur qui a parlé d'église. Moi, la première fois où je m'étais fait à l'église, Assemblée de Dieu. L'Assemblée de Dieu, l'année d'apparence. C'est sur le baptême que j'ai aujourd'hui. C'est l'Assemblée de Dieu. Je commence sur l'église. On me dit. Voilà. Les mêmes choses continuent. Hein. Et puis j'ai demandé au pasteur. Il y a le pasteur. Oui. Ah, je suis venu à l'église. Parle de quoi, Nicaro? Je suis malade. Nicaro. Le pasteur dit, mais tu as accepté Jésus? Oui. Oh, il est connu. Oh, il dit, c'est qui tu as fait là? Tu as accepté Jésus? Voilà, il est noir. Vraiment, il dit, moi, je suis venu voir l'église, il a dit qu'il a accepté. J'ai même pas votre église. Si tu me vois, je suis assis à l'église, c'est que je l'accepte. Vraiment. J'habite dans le lit. Il me dit, moi, je suis pas qui. Il est là, carrément. Donc, il me dit, non. Il ne faut pas trop penser à Dieu. Quand on a beaucoup de coups, comme le ciel, mais on ne va pas le connaître. Bon, Dieu, d'accord,
Il peut me guérir. Oh, bien, non. Mais comme je le sais, j'ai dit à Pasteur Aïna. C'est lui qui est en train de dire là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas venu à l'église pour aller au ciel. Non, j'étais chez ça, lui. C'est un bâtard. J'ai dit, c'est qui m'a envoyé ici dans votre église là? C'est pas un petit mais pas vous, quand il y a un pasteur, il y a un bouillie. Si je vais aller au ciel, je vais guérir d'abord. Il y a ma part, si je guéris, il y a au ciel. Je vais dire qu'on train de me dire là. Non. Sorcier de me manger, tu veux qu'il y ait un peu de temps. Il y a un peu de tu m'as déjà prédit, j'ai pendant prédit, j'ai me mangé, j'ai dit à l'océan, j'ai qu'à accepter mon manger. Non, c'est la seule chose que je ne pourrais pas accepter. Je leur ai dit, bon, bienvenue, amen. Amen. Et la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur? J'ai dit, moi, je ne voudrais pas de ça. Amen. Et je mérite que tu fasses cette déclaration maintenant. Amen. C'est une situation. Il faut faire la déclaration. Il faut faire la déclaration. Il faut chercher les moyens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais aller chercher les moyens là-bas. J'ai compris que si le faux, seul Jésus-Christ, il ne peut pas me délivrer. Moi, on est à l'écoute. Amen. Parce que j'ai regardé les CD, les vidéos, les trucs. J'ai lu la Bible, la guérison. Je voyais ça. Les amis, en fait, j'ai regardé les consécutifs. Ils m'ont dit qu'on pouvait lutter contre ça. Le voyage, la Bible, c'est la vie. Moi, quand même, le programme, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai commencé. Des mots de prière, et c'est comme ça que Dieu m'a délivré. D'abord, il va me délivrer. Il va me montrer les 6 personnes. La papa, là, qui m'avait perforé les poumons. Moi, j'ai demandé à Dieu, je veux quoi? Il va me montrer. Par la main, regarde ce qui se passe là, c'est trop. Venez. Par la main, avec la selon Jérémie 33, verset 3, il dit de maintenant, je te répondrai. Je lui annoncerai les grandes choses, les choses cachées. Mais il y a Dieu qui ne te connaît pas. Amen. Il dit que Dieu dit par la vie, il est là, papa a dormi. Et Dieu m'a montré. Papa a dormi. Dans le sens, dans une vision. Et il y a dernière. Il m'a attaqué. Je vais les mettre là. Le hasard dans ce coup, chacun venait prendre. Je vois les gens me piquer dans le bas. La soirée, la lance restait dedans. Donc, on fait violer, foutre, entraver. Si, trois coups, trois coups, s'il vous plaît. Fais ta. Monsieur Révé, une vision. Et j'ai compris. Non, il y a zéro. Que mon problème était spirituel. Il y a où? C'est comme ça que j'ai commencé un combat spirituel. Deuxième, Dieu a réduit ça. Il est en réduit. C'est. Quand il dit réduit, là, il a appelé mon nom. J'ai fait le contraire des gens. De quoi? Il prend la personne. Mais de quoi? Mais tu as fait quoi avec lui? Il est galant, nous verra. Il est un peu de temps. Amen. Et
Et c'est comme ça que Jésus-Christ m'a donné la victoire sur la sorcellerie. Et j'ai vu Jésus. C'est pour ça que celui qui me combat, Jésus a dit, apporte. Paul, qui es-tu? Alors, là, Jésus dit, je suis Jésus. Qui tu persécutes? Allez, premièrement, il est en train de persécuter l'église, torturer les gens. Il a assisté à la mort des tiens. Ils ont venu rapider Étienne. Jésus dit, c'est moi qui te persécute. Amen. Parce que quelqu'un a appelé de Dieu. Quand il a affaire à lui, c'est Dieu qui persécute. Et moi, mon domaine, c'est le domaine le plus très sensible et dangereux. C'est un domaine où on n'aime pas la tête. Amen. 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 On n'aime pas. Mais moi, je fais ça avec passion. Amen. 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 Et si tu es camarade des sorciers, donne-toi même le sorcier. Bon, il y a sorcier, non. Toi, non, quand tu dis combat sorcier, mais on va pas les combattre. Ils n'ont pas la même raison. Les gens qui vivent que de ça. Mais qu'est-ce qu'on a là, non? Faut pas voir le combat. Amen, 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 les quoi? Tu es camarade. Il faut voir bien mal et tu manges aussi. Mais les personnes, amen, amen. Il n'y a pas d'autre explication. Et nous, pour ça, ça. Tu es avocat du diable. C'est ce que tu as vu les affaires. Amen, amen. Moi, je n'aime pas. C'est ça que je combats. Je combats les choses du diable. Amen, amen. Et les gens demandent, mais c'est où dans la Bible on va attraper sorcier? Je vais vous montrer le verset. Prenez Marc 16, verset 18. Viens verser dans la Bible. Où on attrape sorcier? J'ai des gens. Si quelqu'un vous pose question, il y a un verset de tout. Parce que moi j'ai fait école théologie, j'ai fait 3 ans d'études. Avant de faire le jeu. Donc, Bible, ça va dans ma tête, dans mon cœur, ça va dans mon portable, ça va partout dans ma chambre. J'ai Bible partout. Je crois qu'on a appris. Bible, il n'y a pas partout. Marc 16 à partir du verset 18. Vous allez comprendre. Amen. On ne dort pas. Alors, on va le lire. Allons-y. Écoutez très bien la parole de Dieu. Ils saisiront des serpents. Écoutez, il dit, ils saisiront des serpents. Hein? S'ils boivent quelques breuvages. Dans le verset 17, on va comprendre un peu tout en bas. Verset la parole du Seigneur. Écoutez très bien. Hein? Dis à quelqu'un, écoute très bien. Dis à quelqu'un, écoute très bien. Alors le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je dis, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons, c'est pas ça? Oui. Ils parleront de nouvelles langues. Oui, on appelle ça ici partout. Ils saisiront des serpents. Ah! Ils saisiront des serpents. Saisiront. Yes. Allons-y. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Mm-hmm. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. On vient à ce temps, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Jésus dit aussi les filles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Eux, il y a de nous. D'abord, dans un premier temps, ils vont chasser les démons. Qui est-ce qui chasse les démons? C'est pas ça? Ils vont parler en langue. Nous parlons en langue, c'est pas ça? Mais il y a l'aspect. On dit ils saisiront. Vous allez voir bien passer que j'ai un en bouche, je vais attraper cette porte. Ailleurs, je vais passer à l'homme, mais après, je vais faire des cas avec la. Comme je lui dis qu'on a, on doit chasser les démons, on a chassé beaucoup les démons. On parle en langue. Oui, maman, prophétise même, on est traduit la langue. Alors, j'ai un bruit aujourd'hui sur les cacahuètes. En plus, on a juste une tête à suivre. Quand on a dit, on a fait la chasse au serpent. Comme Jésus a dit. Ne parlez pas aux voyants, il est déçu. Vous imposerez les mains aux malades. Et vous croyez que vous êtes dedans. Si vous êtes là, moi, allez imposer les mains aux malades. Vous serez guéri. Non, je suis. Vous attraper vipère. Parce que là, ce n'est pas sorcier. Je vais te passer. Vous allez me. Le passage est montré le verset, mais tu le vois sorcier. Mais on ne meurt pas là qu'il n'y a pas de bouquin. La Bible dit, c'est du nom, c'est pas du pasteur, pardon.
Serpent qui veut servir. Je vous explique. Le serpent symbolise le diable. C'est le cancer, mais c'est quand frère le couvre. Deux besoins, c'est quand il est venu substituer la femme. Là, le serpent du diable. Jésus, le serpent, c'est Jésus le sorcier. C'est tout aussi le même fils de la vie. Vous calmez pas alors, frère. Vous allez servir le serpent, c'est Jésus le sorcier. Et de la vie. Maintenant, si tu dis c'est un colis, bon, tu ne vas pas l'attraper, c'est comme la Bible dit. Tu es charmé de serpent, mais mon lèvre, tu traduis devant. Vous n'avez pas bien pensé qu'il a suivi, moi, comme Jésus dit. On va attraper ses pans avant nous mort. Allons-y en plus. Les fidèles vont se voir en sorcier. Vous dites, les gars, le pasteur là, c'est un sorcier. Même pasteur, vous camionnez. On ne savait pas qu'on avait un sorcier. Comment il peut nous envoyer en Bruce? Tu vas pouvoir expliquer le verset, mais ils ne vont pas te croire. C'est le serpent du diable. La Bible même dit dans l'Ancien Testament. Il y avait un serpent qui mordait les enfants rebelles. Alors Dieu m'a demandé à Moïse de faire un serpent en arrêt et de mettre sur terre tout ce qu'il y avait dans ce serpent. Le serpent du diable était guéri. Il ne connaît pas très. Amen. Il saisirait le serpent. Nous avons saisi le serpent. Il est le sorcier. Il est le vénin. Il est le désarmé. Le délivré. Le désactivé. Même le rang utile. C'est la à sa famille. À son village. Et à sa nation. On a désarmé. La petite là m'a dit qu'elle a eu son attaque, c'est ça? Oui, il y a. On l'a eu en classe. Voici, il mangeait d'un. Il y a, on est bon. Il était sur ce bon. On est à vous, Cameroun. Délivré. Dévaté, Béatrice, vous. Mais quand on est délivré, c'est là le résultat. Il y a mené très bas. Elle a eu en classe 6e. On a quand même un collègue, vous. Elle a attaqué Pasteur. Mon pasteur, maman, on a mal parlé. Voilà. Mais la moyenne de Kenny va l'attaquer. Le pasteur. Le oh, non, feu. Non. Feu. Oh non, a cassé le pied du bénilo. Couvert. Couvert. Le feu, le pasteur a mis là. Le campagne est tombé de son avion, ça a cassé son pied. Le pasteur, le jeu consulé. Ok. Vous avez pas de pied. Ça va là? Hein? C'est vrai? Elle va répéter, comme va essayer quand tu as apprenti sorcier. Son pied est cassé. Amen. Voici le résultat aujourd'hui. Elle est débarrassée de la sorcellerie. Et c'est depuis où Ragaïo nous a entré par ici. Elle a procédé d'un esprit de sorcellerie. Vous l'envoyez, c'est pas ici. Depuis où Ragaïo en chute. On dit amen. Nous sommes la suite ça c'est le passé. Maintenant, il y a pas de à sa famille. On a donné ça quand elle a parlé de l'amour maintenant. On a de gros problèmes. Amen. Voici une clé qui va derrière là-bas. Il y a vraiment quand même bien. Oui, c'est qu'il y a un bébé sorcier qui se donne un chat. Le voici une ici. Elle avait brisé sa maman. Elle a péché au feu. Elle a déjà préparé piment là pour moi. C'est ici qu'elle était délivrée. C'est quand elle a dit. Chose bizarre, c'est elle est enceinte. Moi, elle est d'abord. Mais le bébé partait en mission. Le bébé. Il partait en mission. J'ai dit, mais tu es dans bon, tu manges déjà. Mais là, ce qui sort. Il faut mieux aller, les cafés plus tard. Il est là, non. Vous voulez y aller? Moi, je vais donner la mort, moi. C'est délivré. Tu avais quoi, moi? Tu es convaincu que tu es délivré. Oui. Tu es dit que tu es dans ta main. Le corps à ton maman, oui.
Oui, il a brûlé. Comment? Il faisait quoi encore lui? Il y a là. Il est transformé en chapeau et tu l'aimes. Ok, tu vas revenir au nom de la place, tu vas faire un peu. Qui plat? Oh! Ok, tu vas revenir au nom de la place. Ah ah! Elle a bien fait ça, Isa. Il est délivré. Il est délivré. Il me regarde. On l'a délivré. Il s'est transformé en chat. Et puis, tu disais quoi? Il est un peu. Ok, tu as bien voulu faire un pack en contrat, docteur. Il était où? Vous devez savoir où tu l'avais déjà accouché. Il est bien dans mon ventre. Vous avez compris? Mais avant que vous allez dans mon ventre. Vous allez expliquer ça à un blanc, il va te dire non. Oui, mais c'est un problème. Ça, c'est vous. Et il n'y a pas de blanc, c'est là. Vous filmez, vous faites. Alors, vous filmez, vous filmez, vous regardez. Moi, je comprends que vous ne connaissez plus la société. Aïe, aïe, aïe. L'imagination que dans le film. Avec la propre, aïe, c'est pas mal. Les prix qui combattent la société, c'est vous. Aïe, vous avez vu quoi, c'est 15, 16, 17, 17. Vous avez connu le ciel, le riz, le 18e siècle. Après avoir tué, combattu. Aujourd'hui, il est délivré. Bébé, il est délivré. Imaginez-vous un enfant, sorti dans le ventre. Il a pensé à manger. Depuis qu'il sort. Ah! Déjà dans votre image. On commet le nez. Donc après la vie est livrée. Quand j'ai attaqué sa maman, elle a fait son sec, excusez-moi. Elle est venue avec son sec m'attaquer. Vous comprenez à cause vous. C'est quand je vis un combat. Si Dieu t'a pas appelé dans ce travail, mais le bébé a pas dit bonjour à ce travail. Sinon, ils vont te montrer qui a mis le sucre dans papa. Ces gens ne dérangent pas. Moi, là, vous parlez de moi, pourquoi? Si tu n'as chacun à son domaine, pourquoi ne pas venir parler de sorcellerie? Si tu n'as pas parlé de parler de ça, pourquoi aller ailleurs? Il y a beaucoup de personnes dans la Bible. Pour parler de choses, il y a beaucoup de personnes dans la Bible. Pour prendre le verset, sinon, si tu veux les attaquer, ils vont t'attaquer. C'est les gens qui attaquent, ils vont t'attaquer. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Toko. Mais moi, quand Jésus s'est révélé à moi, il est descendu du ciel. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus comme je te vois comme ça. J'ai vu Jésus. Il est descendu du ciel. Il a pris des lignes. Il a arrosé avec. Ma concentration n'a pas été faite par une personne. Comment est-ce qu'il brûle? Ça a été fait par Jésus. Il me dit quoi, Casso? Je te confie une mission. C'est la destruction des œuvres. La destruction. Vous quelqu'un veut dire que vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Je suis réveillé de la douche. Tout mon corps lutte partout. Lui, mon matériel déroule partout. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à la peur. Avec la peur. Donc je suis venu lui. Dieu m'est témoin. Les choses spirituelles, quand tu expliques aux gens, c'est difficile de comprendre. Mais il faut que Dieu t'appelle. Parce que si Dieu t'a pas appelé, tu ne peux pas le faire vivre. Non, ça va vous être. Il faut qu'il t'appelle. Il est dans leur front. Amen. Pour ça, il dit aux gens, vous allez pour me combattre. Avec toutes les armes possibles que vous voulez. Mais vous n'allez jamais me terrasser. En appel. J'ai Dieu avec moi. Amen. Je sais qu'il m'a appelé. Amen. Moi j'ai un métier, j'ai un diplôme en hôtellerie et en tourisme. Vous avez un diplôme au diplôme en hôtellerie. Amen. Mais Dieu m'a appelé à son service. Et quand je me suis levé de la chambre du lit, je voulais appuyer sur l'interrupteur. J'appuie sur la lumière, sur l'interrupteur, la lumière dans la chambre. Et d'abord, en allant appuyer l'interrupteur, j'ai même quand même vu une lumière qui est sortie du plat. Comme une torche. La torche est la torche. Je m'attends immobilisé. Puis d'une manière audible, avant qu'il entende parler, j'attends la voix de Jésus. Il n'avait pas peur. Il est arrivé de se consacrer. Deux,
tout. Viens, ce sera la chanson à tes jours. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. Amen. Et quand je disais aux gens, mes parents, j'ai eu parade avec mes parents. Pour les gens croyaient. Aujourd'hui, Je ne suis pas un celui qui prophétise. Je suis un prophète. Celui qui prophétise, il est un prophète. Amen. Je parle. Parce que le prophète, c'est l'apporteur de solutions. Le homme, décante la situation. Vous n'avez jamais regardé Élisée. Quand ils sont quelque part, quand vous regardez leur ministère, ils décantaient les situations. C'est pas ce que tu vas entendre qui l'intéresse. Comment te faire sortir de l'église? Un prophète, c'est l'apporteur de solutions. Dieu ne fait rien sans le prophète. Amen. Amen. C'est pour ça que quand je suis dans le village ici, vous connaissez bien mon histoire. Je suis venu parce qu'une dame souffrait. Et puis la France, c'est devant ici les tours de Canaries. Elle a commencé à marcher. Dans le village ici, vous me faites témoin. Vous à moi. C'est-à-dire si je mens, dites-moi que je mens. Avant Crasso. Il y a la mélodie de Crasso pendant tout mon séjour. La différence entre les deux. Est-ce que vous voyez les jeunes mourir? Moi, je suis depuis dans le village ici. Je ne sais pas quand il finira d'un jeu. Si vous dites que c'est la honneur et la virelle, c'est les virelles qu'on a fait, puisqu'on doit mourir. Parce que là où la sorcellerie est combattue, la mentalité spirituelle s'arrête.